Le thé, boisson aromatique préparée par infusion des feuilles séchées, est consommé dans le monde depuis l'Antiquité. À l'île Maurice, l'histoire du thé remonte à 1890. Les premières graines ont été importées du Sri Lanka. Il existe trois grandes usines réputées de thé à Maurice, qui sont Corson, Chartreuse et Bois Chéri. Ces dernières cultivent pas moins de 6732 tonnes de feuilles de thé par année. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de ce vlog à l'île Maurice. J'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de thé. Donc le thé, c'est une culture énorme qu'il y a à l'île Maurice. Et en 1919, on a vu arriver sur le marché local le thé vanille. Et ça a été un début d'une émancipation de la culture du thé, parce qu'aujourd'hui, nous arrivons avec une multitude de variétés de thé à différentes saveurs qu'on peut trouver à l'île Maurice. Donc, je vais vous présenter en particulier des bois qui viennent de l'usine de thé de Bois Chéri. Donc, je les ai répartis en trois tas parce que je ne vais pas tous vous les faire. J'ai pris seulement les boîtes qui, pour moi, les types de thé qui, pour moi, valent vraiment la peine et qui sont peut-être pas forcément possibles d'être dégustés si vous allez à l'usine, vous n'avez pas forcément, enfin, au domaine, vous n'allez pas forcément pouvoir tous les goûter. Donc, moi, je les connais très très bien et je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc pour moi, je les ai répartis déjà en trois groupes. Donc il y a ce que j'appelle les classiques, les spéciales et les tisanes. Donc pour moi, c'est vraiment trois catégories bien différentes. On se retrouve ici dans les traditionnels. Donc là, vous avez le Black Label, donc qui est un thé noir standard, donc vraiment assez classique. Il y a un très proche que j'ai pas ici, qui s'appelle le Palais Virginie, donc qui est une boîte un peu plus longue, un peu plus grande, mais qui est aussi un thé noir. Ici, on va trouver un thé à saveur. Donc si vous allez au domaine Bois Chéri, vous allez pouvoir déguster pas mal de ce type de boîte-là, donc dans les standards. Celui-là, c'est une saveur coco, donc pour moi, dans les standards, c'est un de ceux qui vaut le plus la peine d'être découvert. Et sinon, vous avez le classique dont je vous ai parlé avant, thé vanille, donc un thé qui existe depuis très très longtemps, à savoir que l'usine de Bois Chéri, enfin la fabrique de thé en elle-même, existe depuis 1892, puis ça a été justement ce thé-là, trois pavillons, qui est dans les plus anciens. Donc voilà, je mets cela de côté, je vais vous présenter la gamme que j'appelle spéciale, donc la sélection spéciale Bois Chéri. On va commencer ici avec un thé que j'aime beaucoup, c'est un thé saveur lemon, donc citron. C'est vraiment un bon thé au citron, c'est vraiment hyper, hyper savoureux. Toute la gamme ici est vraiment très savoureuse, hein, si vous avez l'occasion de les goûter, c'est vraiment ce que je conseille. Ici, vous avez le bergamote, donc étonnant. Pour moi, bergamote, ça ne me parlait pas plus que ça. Mais une fois que vous avez la chance de le goûter, vous découvrirez que c'est pas si mauvais. On a ici cardamone. Nous, à l'île Maurice, on l'appelle LIT. Donc cardamone, c'est la même chose, c'est vraiment ça. Donc c'est une gamme de thé qui est aussi tout à fait intéressante. Là, on arrive dans ceux que je préfère encore au top du top. On a Fruits Tropicaux, qui est la boîte rose, où on retrouve pas mal de fruits. Il y a de la goyave, il y a de l'ananas, de la mangue et pas mal d'autres fruits tropicaux. Celui-là, je l'ai découvert cette année. C'est vrai qu'il n'était pas dans mon registre habituel. Et c'est vrai que c'est le thé caramel. Donc c'est vraiment un que je me suis découvert un goût pour celui-là cette année. Et on arrive dans les deux plus sérieux, de la gamme sélection, donc le vanille classique et celui que je préfère de toute la gamme, que je pense que beaucoup de ceux qui sont allés à Bois Chéri ont celui-là dans le top 3, c'est le coco vanille. Donc effectivement, le thé coco vanille, c'est vraiment un incontournable de chez Bois Chéri. Il est excellent, cette fameuse boîte orange qu'on retrouve partout dans les commerces à l'île Maurice. On continue ici avec une série de boîtes complémentaires qui est les tisanes. Donc ici on a des tisanes, différents types de tisanes. Sur chaque boîte, vous avez les informations dessous de comment
faire votre thé, parce que c'est pas simplement mettre le sachet dedans, il y a un temps d'infusion à respecter, etc. Et surtout avec les tisanes, parce qu'elles ont, on va dire des propriétés pour la santé. Et malheureusement, si vous infusez trop longtemps ou pas assez, etc., malheureusement, bah, les bienfaits de ces tisanes ne valent plus rien. Donc on commence avec une citronnelle. On upgrade sur celle-là, c'est citronnelle gingembre. Et là, on arrive dans du spécial. Donc là, on a un rooibos, donc une tisane rooibos. Et on termine avec le ayapana. Donc c'est effectivement une plante, donc c'est une tisane qui est utilisé surtout pour tout ce qui est problèmes digestifs. Donc effectivement, si vous avez trop mangé ou bien vous avez des problèmes au niveau du ventre, boire une tisane ayapana bah, résout souvent le problème. Donc, voilà, j'avais fait le tour de ces boîtes de thé. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à l'île Maurice, de partir visiter justement la fabrique de thé Bois Chéri. Donc il y a une partie musée, il y a une partie fabrique, et une partie dégustation, mais évidemment après. Alors, je vous laisse en image le temps de découvrir notre aventure à travers cette route du thé. Et en attendant, moi, je vous laisse avec un petit coco vanille. Allez, à toutes. Nous sommes en été, nous recevons beaucoup de feuilles de thé, les feuilles sont récoltées à la main ou à la machine. Notre plantation, 250 hectares. Nous faisons l'exportation en France, à l'île de la Réunion, en Australie et aussi à l'île Rodrigue. Been all around the world, oh, every city, every place, oh, always been a restless girl, oh, but now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone, catching a flight, I'm coming home, back to the place I've always known. You were only like a friend, oh, till we met the other day, oh, didn't want the night to end, oh, and now there's a wind of change. I never ever felt this way. You're stuck in summer night, I think that now's the time. Et nous revoilà, l'heure du thé étant terminée, il est l'heure maintenant pour nous de se mettre en route pour aller à la rencontre d'animaux. Nous allons maintenant accéder à un parc zoologique qui a été créé en 1985 et qui est complètement implanté dans une forêt tropicale qui est riche avec une nature remplie d'essence d'arbres, de plantes et de fleurs endémiques. Et c'est d'ailleurs dans ce parc, donc le parc Lavanille comme il s'appelle, que de nombreux animaux ont élu domicile. Vous allez le constater en images tout à l'heure. Mais avant d'arriver aux images, je vais juste vous expliquer par quel endroit nous allons terminer cette vidéo. Donc effectivement, nous allons nous rendre au domaine Saint-Aubin. Donc c'est un domaine qui est très très connu
pour pas mal de choses. Tout d'abord parce que c'est la troisième étape de la route du thé à l'île Maurice. Deuxième cas, c'est parce qu'ils ont un gros domaine de culture de vanille. Et troisième chose, c'est un domaine qui cultive 750 hectares de canne à sucre pour la fabrication de 19 rhums et 4 liqueurs avec un savoir-faire datant de 1819. Alors, trêve de bavardage, allons voir ces images. Et me revoilà, j'espère que ces images vous ont plu. N'hésitez pas de laisser un pouce en haut si ce contenu vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Il est l'heure pour moi de laisser tomber la caméra et d'aller rejoindre l'équipe de copains à la dégustation. Alors c'était Siphon la reprise, allez santé!